retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, moi et mon frère, on va faire des tacos, tacos français pour la première fois de toute notre vie. On avait déjà mangé un genre il y a 2 ans ou 1 an. On en mange pratiquement, mais en vidéo. On en a ça fait longtemps qu'on en a mangé un, il y a longtemps. Celui de chien n'était pas bon, le mien était bon. Ceux qui sont là depuis, vous savez de quoi je parle, vous avez sûrement vu la vidéo, mais ceux qui sont nouveaux, essayez d'aller la voir, descend sur la chaîne, tu vas voir. Donc, on va montrer les ingrédients, on va commencer avec ça déjà. On va mettre ça, c'est les céréales à bijoux. First, le plus important, c'est le pain pita. Tortillas. Pain pita ou tortillas? Ça, c'est pas pain pita. Y a une différence? Tortillas. Et tortillas. Ouais. Tortillas, on a pris des XL pour bien fermer. Ensuite de ça, la sauce algérienne. Algérienne. J'aime beaucoup la sauce algérienne, elle est bonne. Ensuite de ça, fromage. Ça, on l'a beaucoup débattu. Fromage, mozzarella. Non. Mélange de 3 fromages, je sais pas c'est quoi. Pour la sauce fromagère. Et on va mettre un peu dans le tacos. Ouais. Ça, c'est optionnel. Bacon. Juste pour nous, parce qu'on aime ça. Ouais. Ça, la viande. La viande. Tenders. Comment on dit en français tenders? Dis en français. Poulet tendre. Non, poitrine de poulet panée. Quelque chose comme ça. Ensuite de ça, les frites. Pour mettre dans le tacos. Si tu mets pas de frites dans ton tacos, c'est pas un tacos, ok? Donc, les frites, bien évidemment. Ensuite de ça, ça c'est le dernier. Pour faire la sauce fromagère, on a vu, il faut de la crème liquide. On a pris 35%. Les gars, on va commencer ça et puis à la fin de la vidéo, on va goûter ça devant vous. Et on va voir si le goût est bon, si on a bien fait nos tacos et si on les aime bien. Okay. On va commencer avec la viande. Ouais. On commence pas avec, disons, les frites. Ça, les frites. Peut-être que la viande cuit, on va mettre ça dans le four. Ok. Parce qu'on fait... Ok, abuse pas, s'il te plaît. On a mis combien de poulet à peu près? Beaucoup? Mais de toute façon, à la fin, on va les couper. On va pas les mettre entiers dans nos tacos. Donc, on en met à peu près 10? Ouais, pas tout le paquet. On va pas mettre tout le paquet, non, bien sûr. On fait avec les frites. Il y en a trop? J'ai lavé mes mains avant la vidéo. Bon, c'est important. On a lavé nos mains. On a besoin d'être hygiénique. Yes, sir. Ouais. C'est correct, on va... Est-ce que c'est assez pour deux tacos, ça? Ouais. On va mettre... Non, c'est bon. Mais c'est bon, au pire, dès qu'on va manger un peu, c'est sûr qu'on va manger. Ok, ouais, c'est ça, on va en goûter, ouais. C'est vrai. Ça. 20 à 24 minutes. Dans le milieu. On préchauffe. Et ouais, on va le mettre bientôt. Ok. Pas maintenant. Dans 2-3 minutes. C'est 20 minutes, hein. On va dire 25 minutes. 25 minutes. Ça va être parfait. On te fait en même temps, non? Quoi? Ben ouais. Le nombre qu'on va mettre. Oh, elles sont balèzes, hein. On va couper ça. Combien on va dire à peu près par tacos? 2? Non, encore. 3? Ouais, genre. Comme ça. Et un petit dernier s'il y en a. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 8. 8? Non, mais c'est 7. Non, pour que ce soit bien. T'as dit comment en couper en plus? Ben c'est ça. Comme il faut mettre juste un petit. Ok. C'est bon. J'aime bien. T'es sûr que c'est assez? Attends, non, commence pas là. C'est toi qui as choisi, hein. Il me demande encore si c'est assez, alors que c'est lui-même qui a mis les frites. Tout doux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais ça? Ouais. Relax, là, pourquoi t'as peur là? Okay, moi je vais reculer un peu. Ça va commencer à sauter là. C'est bon là, je pense que tu peux laisser comme ça en attendant. On fait autre chose maintenant. Sauce fromage. Mais là, ouais, la sauce fromage, c'est ça qui va être le vrai défi. On fait ça ici? Amène ça ici, viens ici. Ah non, bacon, je pense. Bacon, il faut juste mettre au micro-ondes, non? Non, au feu, on va faire au feu. Ok. On commence par bacon. Mais là, ça veut dire qu'on aura deux choses qui sont en train de cuire en même temps là sur le feu. On est deux, oui ou non? Ok, si. Donc toi tu fais une chose et moi je fais l'autre. On fait combien de bacon? 3 par tacos? Non, 2. Ouais. Oh les gars, abonne-toi, hein. Dis-leur. Abonnez-vous. Après ça... Oh, ils sont longs. Pourquoi ce bacon est juteux comme ça, bro? Ça fait quoi? C'est négatif? Il est juicy. C'est négatif? Mais... Regarde comment l'eau sort. Oh, ça a l'air bon déjà. Regarde la couleur comme elle est. C'est déjà carrément orange là. C'est genre doré. Vas-y, enlève. Non. Chef. Juste relax.
Il sent bien, il sent bien. On a pris ça pour combien? On a pris ça là pourquoi? Même à ça, il sent le. Oh, ça saoule! Oh, chef. Oh, chef. Yeah! Oh là! Yeah, my name is Steel! Et hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le fais alors, bisous! C'est fini. C'est bon. Ok les gars, entendez le bruit les gars? Oh non, 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 c'est fort. On coupe un peu. Oui. Le plus petit, non, le plus petit, genre un truc comme ça là. Regarde l'intérieur, c'est chaud? Oui. Non, c'est glacé. C'est croustillant hein? Tout doux. Moi c'est ça, ça goûte quoi? Bon bah. Ouais. Ok. C'est à moi, chef. Ouais. C'est bon. Tu vas faire combien le week-end? Hein? Trois. Seulement? Regarde comment c'est grand. On va aller couper un petit morceau. En fait, c'est pas nous qu'on cuisine, c'est moi. Je peux cuisiner, prends la caméra si tu veux. Là on finit ça, on commence avec la sauce qu'on a déjà. Ouais. Après on va attendre de. Les gars, je sais pas comment Bijou filme là, mais bon. Du film bien. Et la viande, on va la couper en morceaux. Ouais. T'aimes bien la viande ou pas? Le goût, nos caps, l'assaisonnement et tout ça, c'est genre 9. 9? Comme 8 ou 9. Et qu'est-ce qui manque pour que ce soit 10? Non, ça, je sais pas, parce que je sais pas si l'intérieur est bien cuit. Tu penses que l'intérieur est pas bien cuit? Ça, je sais pas. Comment ça? Je sais pas. Ok. Au début, quand j'ai mangé, c'était un peu genre. Pas squeak, mais genre dur. L'intérieur? Pourquoi on va prendre le mettre dans le four? Non. On laisse 10 minutes dans le four. Parce qu'on l'a déjà préparé là. Mais ça pourra cuire à l'intérieur. Par exemple, là, on prend chacun, on coupe, on l'ouvre et là on met dans le four. Pardon, là ça va cuire à l'intérieur. Tu vois ce que je veux ou pas? Pardon. Moi je vais le faire alors. Pour le mien. Ok, je vais le faire aussi. Mais voilà, c'est ça que j'ai dit. On le fait. Alors on prend quelques-uns, on va le couper, les ouvrir et mettre dans le four 10 minutes. Après on les ressort. Peut-être ça va cuire à l'intérieur comme tu disais. Mais moi j'aime bien l'intérieur en vrai. Tu viens de voir le restart tout à l'heure, les gars. Qu'est-ce que tu fais derrière la caméra pour ça? Excuse-moi. On ne parle plus. Pourquoi? Oh. 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 Pays de Choupi, ça rigole bien. Y'a Baloué, Nas et Moha, c'est mes copains. Ouais. Attention! Attention! T'as pas vu? Choupi? Ouais! Quoi? Non, le rap sur Choupi! Non! Je connais le dessin animé! Attends, c'est un rap ça? Ouais! Pays de Choupi, ça rigole! Ça, non! Ça visseur bien! Ah ouais, je pense que t'as vu sur TikTok! Avec Moa! Non! Avec Balou et Moa, c'est mes copains! Attention! Attention! Ça commence! Oh pays! Choupi, j'étais choupi. Et ça sur TikTok, ça m'a fait rire. Encore un peu. Ouais, un peu. C'est bon, mais laisse encore un peu. Ça, à l'intérieur, c'est pas grave, c'est confiant. Fais ton coup, tchak, 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 et viens en dansant, genre fais une danse qui va avec ça. 3, 2, 1. Tchak, 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 tchak
Ça c'est bon et ça je vais le laisser encore. Ah non, ça c'est bon. En plus, le bacon n'est pas censé. Mais tu peux le faire griller ou tu peux le faire moyen. Non, c'est pas fait. Dernier bacon, les gars. Après ça, on va passer à quoi déjà? Fromagère, ça. Fromagère. Après ça, on aura pas ce bon fini. Dites en commentaire si vous voulez plus qu'on fasse des. De bouffe. De bouffe. En plus, j'avais dit ça à Junior. Il m'écoute pas. Est-ce qu'on avait accès à la cuisine? Est-ce qu'on avait accès à la cuisine? Merci. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de bouffe. Ça fait peut-être 6 mois, hein? Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bouffe ici, sur la chaîne. Et là, on en fait enfin, c'est cool. Prochaine bouffe qu'on va faire, ça sera sûrement de la pizza. Ouais, la pizza. La pizza, du pain, un peu baguette, comme en France, là. Non. Comment ça? C'est une bonne idée, non? Dites dans les commentaires, oui ou non. Relax, relax. Ah quoi, t'es sûr que c'est prêt? C'est bien? Ah ça! C'est bon, c'est prêt, t'inquiète. Au monde de Tchoupi, sa vie sert bien. Et tout c'est bon, frère. Quoi, le bacon? Ouais. C'est t'aimes pas, compas! C'est comme quand tu me parles! Tu me parles pas de la faute! Je m'excuse. Oh, le feu est encore allumé. Hey! Ah. Tu sais pas ce qu'on le son sur TikTok? Le. Ouais. Non, le gars qui parle espagnol, il dit. Ouais, mettez que bande, mes gars, mais n'a pas gardé bande, non. Non, je connais pas. Je vais te montrer après. Oui, pourquoi ça sent le. Ah oui, négro. Ah oui, négro. Ah oui, négro. Ah oui, négro. Allez, genre, et j'ai pas les mesures, hein. Deux. Donc on va faire au fond. On va au pif, gros. On va au pif. La sauce fromagère, c'est une des choses comme, qui me turn off le plus en ce qui entraîne le tacos. Sauce fromagère, c'est comme, comment je vais faire ça? Ok, on va faire ça plus tard, on va faire ça plus tard. On laisse tomber. Donc là, on va vraiment faire ça au pif, gros. Ce sont la chaussette, gros. Attends. Non, comme c'est bon. Mais c'est ça le but du fromage, non? Le plus ça sent, le mieux c'est. Non, comme c'est bon. Moi j'aime bien. Mais ça a assez pour deux personnes. Pour deux tacos aussi. Okay. Ah, c'est chill. Bon, je vais mettre dans le frigo. Oh putain de merde. Bouh! Enlève. Où sont les gants? Je peux prendre avec ma main, Non. Tu n'as pas de super pouvoir, pardon. Ah, ah c'est ça. J'ai mis une assiette ou pas? Parfait. J'ai mis une assiette? Vas-y. Attends, non, Junior. Ça commence à être prêt. Déjà? Est-ce que c'est... Oh my god, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un bombi, bro. On dirait un NPC, bro. Bassi. Range-la maintenant, range-la. Je sais pas si c'est comme ça. Hein? Petit à petit. Mets-en encore un peu. On va attendre que ça fonde. Encore. N'hésite pas. Là, c'est bon. Sinon, ça va faire comme le mac and cheese. Ah. Ok, laisse reposer un peu. Les gars, regardez comment on fait ça. Fais attention, ok? Mais Manigui, juste prendre avec tes... Juste dis que je vais profiter. C'est bon. Là maintenant on met ça ici. C'est ici qu'on va tout préparer. Et là je prends ça. Pas trop fort. Et regardez les gars. Cela met tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il croit qu'il est nice. Pas c'est quoi ça, j'ai pas envie de savoir c'est quoi. Oh mon dieu! Attends, laisse-moi voir, il est quelle heure? Il est quelle heure? 15h07. 15h13, on enlève, ok? T'as mis ça à combien? 350? Ouais.
On va mettre à 3, ouais, 350, c'est bon, c'est parfait. Comme ça, là, l'intérieur pourra mieux cuire et... Maintenant, on a besoin de 10 assiettes. On a besoin de 10 assiettes plats. Oh, attends, bisous, on fait tout ici ou bien on le fait à la table? C'est mieux, non? Mm-hmm. On est assis, on fait tout là-bas, non? Mm-hmm. Ici? Ok. Mm. C'est bon. C'est moi qui m'a fait. Mm? Excuse-moi, excuse-moi. Hey, mais tu dansais, non? Tu chantais, donc là, j'ai profité. Et de 1, fais-moi une deuxième. Et de 2. Comment il est là ou non? Non, on attend tout. Ah. On attend juste le poulet. On doit goûter la sauce quand même. Sauce algérienne, ouais. Faut d'abord ouvrir parce qu'il y a un papier. Tu joues avec ma bouche ou pas? Ok. Ok, passe, j'ai utilisé mes forces là. Non, ça marche pas. Il faut vraiment utiliser la bouche. Essaye de le tirer. What? What? Je comprends pas. C'est le même? Mais dis pas que c'est pas le même. Goûte, attends, j'ai mal goûté. Ouais, c'est le même. Ouais. Mais je comprends pas comment on fait pour l'utiliser alors. Ouais. Lave-le. Oui, je vais chercher le poulet. Ah. Ouvre le four, ouvre le four. Je vais remettre ça. Et t'as tout à fait, t'as tout à fait, t'as tout à fait. Bon, comment ça? On va tout couper. Ouais. Qui m'a écrit pour ta fille? Oui! Toi là! T'en as mis trop. C'est trop ça? Ouais. Non, mais dis pas que c'est trop ça. Après ça, c'est. On En plus, la vidéo que j'ai vue, on met la sauce comme ça. Parce que le taco, c'est plié comme ça. T'as pas besoin de le papier partout. Mais je vais mettre la sauce après encore, un peu. Ah, ok. Ça, c'est de brie. C'est bon. Ouais. Accompagnement un peu de bacon. Le poulet. Abuse pas du bacon, même moi, si j'en veux. Merci. Les gars, ça va être un délice, je le sens. Encore besoin de ça? Ouais, la fin. Ok. T'en veux encore le poulet ou pas? T'en veux encore ou je prends tout? Tu veux tout prendre? Okay. Moi, j'ai un peu. Après ça, c'est... Frit? Moi, je suis bijou, hein. Ce qu'il fait, je le fais. On va dézoomer, ça n'a pas besoin de zoomer. La sauce fromagère que j'ai faite. Passe le casque pour qu'il te voit aussi. Elle est là. On peut la goûter même. Toi, t'as précisé que t'as fait. C'est quoi le rapport? J'ai fait venir. J'ai fait aussi. Non, non. On a comme dans les vidéos. Hum? Ouais. Oh my god, yo! On a vraiment fait des tacos là. T'en veux encore? Oui. Non, c'est pour ça que t'en auras. Encore? Un peu de sauce. C'est pour ça que tu peux avoir du bacon. En plus, t'as pris beaucoup de bacon. Regarde ce qu'il me reste. Franchement, j'ai pris moins que toi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, je suis for real. Non. Yo! Sauce fromagère. Je pense que t'as abusé même. Et l'étape la plus difficile, c'est de plier. Regarde les vidéos pour savoir comment faire, si tu sais pas comment faire. Toute la sauce? Si tu veux. Ok. Là, vous voyez, c'est délice. J'espère que c'est un délice. On verra le résultat final tout à l'heure.
Mais bon. Attends, c'est comment fermer ta gosse, toi, hein? Ah ouais! Oh, t'as pas mis le fromage? Oh! C'est pas grave, la sauce fromagère qui vibre. Ok. On n'a pas besoin de beurre, hein? Non, oui. Pourquoi t'as besoin de beurre dans tout ça? Non, juste pour le pain, mais on n'a pas besoin. Non, pas besoin. Oh, j'ai oublié. Faut que je fasse un gratinage, ouais. Tu vas le gratiner? Ouais. C'est bon. Mets dans le frigo. Après, on va tout ranger. Ça, c'est à mettre dans l'évier déjà. Ils sont tous sales. Ouais, ça, ouais, tu peux garder ton assiette. Ça va être difficile de le fermer. Sérieux? J'ai dit gogo. Ok. J'espère que ça sera pas si difficile que ça. Ah, le jus! On a oublié, les gars! On t'a pas présenté le juice? Quel jus? Non, le juice! Non, tu vas pas boire! Arrête! T'as ton jus à toi, tu vas pas boire! Arrête! Quand on est allé au magasin, les gars, pour nous deux. J'ai acheté du jus. Juste fraises, fruits de la passion, pommes, ça, poire. Ça qu'on prend des fois. Et voici ouais, ça. Quand on va dans des fast-food et tout, c'est ce jus-là qu'on prend. Non! Bon, les gars, voici mon tacos. C'est comme ça. Et comme ça. Ils ont rien aidé. Je te dis, il sera trop difficile à plier. Pas grave, vas-y, essaye. Merci. Merci. Balèze, hein? T'as lavé tes mains, hein? Ok, mais il est difficile. Au moment, je le poulie qui est là. Au moment, là? Donc, les gars, on se revoit dans quelques instants. T'as déjà fini? Ouh! Monte à rien. Vous avez grillé là. On se voit dans quelques instants, les gars. Je suis plus le mien. Et puis je vais revenir. Et puis on va goûter nos tacos devant vous. On se voit dans quelques instants. Donc, les gars, on est de retour. On a fini de griller nos tacos un peu. On s'est affronté maintenant. Ça a été rapide. J'ai mis ça sur le feu 2 minutes. Regardez ce que ça a fait à mon tacos. Même pas 2 minutes. Bon, bref. Montez-y. Esthétiquement, c'est qui gagne? Écrivez dans les commentaires qui, selon vous, actuellement, a le tacos le plus beau. En plus, ça peut être moi. Arrêtez. Go, on commence. On commence, attends. Ouh. Attends, est-ce que ça, quand on a mis ça sur le feu, ça a grillé aussi le fromage à l'intérieur? Ouais. Ah, bon. Donc le fromage est fondant, là? Ouais. Je vais prendre plusieurs bouchées avant de parler, ok? Toi aussi? Après 3 bouchées, on va parler. Le front. T'as fini? C'est bon, les gars. Ça a le même goût que celui de qu'on achète là. Mais quoi? Moi? Bah, il est bon et j'ai bien fait la sauce fromagère. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais? C'est la même chose qu'on achète à Montacos. Ouais. Mais? J'ai envie de mettre plus de sauce. Comme je t'ai dit. Ouais. Moi, c'est parfait. Goûte. Tu veux pas? C'est ça, tu veux pas goûter le mien? Frère, moi, je te dis que le mien est bon. Parce que, Ram, non, il mange juste de sauce au début. Parce que là, on voit bien la sauce. Uh-huh. Le dernier coup que j'ai pris, il était bon. C'est juste, au début, il n'y avait pas beaucoup de sauce. C'est bon, hein? On a bien fait ça, les gars! C'est réussi! C'est réussi! Les frites sont bonnes. Mm-hmm. En plus, regarde. 0 gaspillage. Tout ce qu'on a préparé là, on a tout utilisé.
Je sais pas comment on a fait pour pouvoir avoir les quantités exactes. Les frites, on a tout utilisé exactement. Le poulet, le bacon, tout. Mmh. Regardez comment il est chargé. Mets dans la caméra, ça va focus. Comment, un poulet, deux poulets, trois poulets. Je sais pas, attends, ça va focus. Oh. Je ne focus plus. La table est propre. Comment ça, si tu veux. Vous voyez l'intérieur? Mmh. Les gars, c'est la première fois que je prépare et que je suis rempli, genre. Comment? Tu vois qu'on a fait poutine, ça ne m'avait pas rempli au matin. Ça t'a rempli. Ça veut dire tous ces frites là, toutes ces sauces là, ça t'a pas rempli? Non. Ça t'a rempli. Là, je suis en train de me remplir pour de vrai. Comme il est balèze. Là, tu sens la sauce algérienne là, finalement, ou non? Mmh? Tu sens la sauce algérienne? Ouais. J'ai juste mis au début. Mmh. Je commence à être rempli. Je commence à être rempli, il me reste tout ça. Les trucs, j'ai char. C'est validé. Très validé. Donc, les gars, voilà pour la vidéo. Ça a été une réussite. On a réussi tous les deux. Personne n'a flopé. Esthétiquement, c'est moi qui ai gagné. Mais peut-être gustativement, c'est toi. À cause de la sauce. Ouais. Donc, moi, j'ai gagné à cause du goût. Et Buja a peut-être gagné à cause de la beauté du tacos. Peut-être. Voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres bouffes. La prochaine bouffe, ça sera peut-être de la pizza. Ou un gâteau. Un gâteau. Ah, ça sera des tiramisu. Ouais. Tiramisu, on va faire ça. Donc, voilà les gars. Là, je vais dormir là. On va vous faire une bien sieste. Rempli. Et, like, abonnez-vous.